Tom la dépanneuse. Que fais-tu, Tom? Oh, bonjour, bébé Tom. Tu joues à cache-cache avec ton papa? Tu ferais mieux de chercher une bonne cachette rapidement. C'est vrai, bébé Matt, c'était une faute. Tu ne devrais pas le bousculer comme ça. Ce n'est pas grave, tu ne le referas plus, n'est-ce pas? Maintenant, tu as droit à un pénalty, Matt. Tu peux essayer de marquer 100 francs pour t'arrêter. C'était un bel arrêt, Carrie. Mais tu es tombée, tu t'es fait mal? Oh non, on dirait que tu es blessée, Carrie. Nous ferions mieux d'appeler Tom pour te réparer. Bonjour, Tom. Carrie s'est blessée en jouant au foot. Pourrais-tu venir l'aider? Tom est là pour te réparer, Carrie. Il va te remorquer jusqu'à son garage. Tom va t'examiner et évaluer les dégâts. D'accord, Carrie? C'est vrai. La roue de Carrie s'est détachée au moment où elle a été heurtée par le ballon. On dirait que Tom a des nouvelles roues toutes prêtes pour les cas comme celui-ci. Et maintenant... Tu as raison, Tom. Il doit y avoir une rayure là où le ballon l'a heurté. Tu vas peindre par-dessus la rayure. On ne voit même plus qu'il y avait une rayure. Y a-t-il une dernière chose à faire? Je vois pas. Comment vas-tu l'attacher, Tom? Avec de la colle, parfait. Et maintenant, Tom, Carrie est-elle réparée? C'est parce que Carrie est une gardienne de but. C'est génial. Merci pour tout, Tom. Carrie est réparée et prête à jouer à nouveau au foot. Tu en veux un aussi, bébé Tom? Maintenant, vous êtes tous les deux prêts à jouer au foot, n'est-ce pas, Tom? Amusez-vous bien, les enfants. Au revoir, tout le monde.
Tom la dépanneuse. Salut Harvey, quel est ton programme aujourd'hui? Tu fais la moisson pour le marché? Quel soleil! Quelle belle journée pour être dans les champs! Oh non! Ça ne me dit rien qui vaille. Je vais appeler Tom la dépanneuse. Tom! Hé, hey, Tom! Harvey, la moissonneuse batteuse, a vraiment besoin de ton aide. Voilà Pickle, la camionnette. Désolé, Pickle, pas le temps de discuter. Harvey a des soucis. Tom doit aller au champ pour l'aider. Ne t'inquiète pas, Harvey. Voilà Tom. Il va te remorquer jusqu'au garage. Non? Harvey est trop grand pour entrer dans ton garage? Tu vas devoir le réparer ici, alors? Super idée! Demandons à Pickle si elle peut aller à ton garage et ramener quelques outils pour que tu répares Harvey. Pickle! Hé, hey, Pickle! Tom, la dépanneuse, a besoin de ton aide. Peux-tu aller à son garage chercher des outils pour qu'il puisse aider Harvey? Nous sommes arrivés! Que devons-nous ramener à Tom? Une clé à molette? Super idée! Un marteau? Non, tu as raison, ce n'est pas nécessaire. Une pince? Oui, il en faut! Une brosse à ramoner? Tu es sûr que ça va nous servir à quelque chose? D'accord, on la prend au cas où. Une ventouse? Oui, ce sera sûrement nécessaire. Nous avons tout ce qu'il nous faut? Super! Retournons dans le champ de Harvey. Regardez, les amis! Pickle est de retour avec les outils. Au travail! Y a-t-il un problème, Tom? On regarde à l'intérieur? Oh non! Une pierre bloque la machine. Comment peut-on la sortir de là? Devrions-nous utiliser la ventouse? Bonne idée. Ça marchera peut-être. Allons-y. Ça a marché? Bien joué. Bon travail. Peux-tu aider Harvey avec autre chose? Super. Quoi donc? Oh non. On dirait que les lames de Harvey ont été endommagées dans le champ. Ne t'inquiète pas. Tom va t'aider. Quels outils vas-tu utiliser? Une clé à molette? Non. Ok, essayons autre chose. Qu'avons-nous d'autre? Une pince? Elle a l'air parfaite. Essayons. Parfait, Tom! Super boulot! C'est une vilaine toux, ça, Harvey. Peux-tu faire autre chose pour l'aider, Tom? Super idée! Nettoyons le pot d'échappement de Harvey. Pas étonnant que tu tousses. Regardez toutes ces graines!
C'est beaucoup mieux. Comment te sens-tu? Mieux? C'est super. Est-ce que Harvey est prêt à reprendre le travail? Génial. Au revoir, Tom. Au revoir, Harvey. À bientôt. Tom la dépanneuse. Salut Stan. Tu as l'air très occupé. Quelque chose ne va pas, Stan? Essaye encore une fois. Oh mince! Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas? Appelons Tom la dépanneuse. Il pourra t'aider. Oh, te voilà maintenant collé à la poubelle. Tom, Tom, réveille-toi. Stan, le camion poubelle, a besoin de ton aide. Il se trouve deux rues plus bas. Allons-y. Par ici, Tom. Stan ne devrait plus être loin. Regarde, il est juste là. Stan, Tom est arrivé. Il va t'aider à te débarrasser de cette poubelle. Allez, direction le garage pour la réparation. Allons-y. Nous voilà au garage. Commençons. Tom, est-ce que tu es prêt? Ok, Stan, essaye de te débarrasser de la poubelle une nouvelle fois. Alors, quel est le problème, Tom? Est-ce que tu penses que les bras mécaniques doivent être changés? Non? Tu as raison, ils ont l'air en bon état. Prenons une clé à molette pour les réparer. Regarde par là, Tom, en haut de l'étagère. Super, Stan! Te voilà libéré! Waouh, il fonctionne parfaitement maintenant. Bravo, Tom. Ah, on dirait bien que les roues de Stan sont dégonflées. Super, un manomètre. Cela permet de mesurer la pression des pneus. Tu fais ça très bien, Tom.
Ensuite, Tom? Très bien, débosselons cet enfoncement. Parfait, le voilà parti. Voilà Tom, on a fini. Hey Stan, tu as l'air rassuré. Et c'est grâce à Tom. À bientôt Stan. Hey, fais attention à ne plus te coller à de nouvelles poubelles. Oh merci Stan de t'occuper de la poubelle de Tom. Super travail, Tom. À très vite. Tom la dépanneuse. Bonjour, Bobby. Que fais-tu de beau? Tu vas rendre visite à ton ami Hector l'hélicoptère? C'est une bonne idée. Très belle journée pour naviguer. Hey, Bobby, que se passe-t-il? Ce bruit ne me dit rien qui vaille. J'ai l'impression que tu as un problème. Je vais aller chercher Tom, la dépanneuse, pour t'aider. Tom! Hé, hey, Tom! Bobby, le bateau a besoin de ton aide. Bonne idée, Tom. Nettoyons le garage pour qu'il soit propre et prêt à accueillir Bobby pour le réparer. Quelque chose ne va pas? Tu as raison. Bobby n'a pas de roue. Tu vas devoir trouver un autre moyen de l'amener au garage. As-tu une idée? Qu'est-ce que c'est? Où vas-tu, Tom? Vas-tu utiliser la remorque? C'est une excellente idée! Bravo! Maintenant, allons chercher Bobby. Il est dans la rivière, près du pont basculant. Peux-tu aller plus vite? Super! Nous devrions arriver en un rien de temps. Hé, hey, Bobby! Tom est là pour t'aider! Comment vas-tu le faire sortir de la rivière? Tu ne peux pas le remorquer d'ici? Très bonne idée! Allons chercher Charlie la grue pour nous aider. Charlie! Hé! Hey, Charlie! Tom, la dépanneuse, a besoin de ton aide. Peux-tu l'aider à sortir Bobby le bateau de la rivière? Par ici. Nous y sommes presque. Voilà Charlie, les amis. Il va nous donner un coup de main. Superbe travail, Charlie. Que vas-tu faire maintenant? Très bonne idée. Recule doucement et tire Bobby hors de l'eau. Fais attention, ne va pas trop vite. Beau travail, Charlie. Mais comment va-t-on amener Bobby sur la remorque de Tom? Bonne idée.
Peux-tu te rapprocher un peu? Maintenant, Charlie, peux-tu mettre Bobby dans la remorque? J'ai l'impression qu'il pèse très lourd. Allez, Charlie, tu peux y arriver. Beau travail! Bravo! Amenons Bobby au garage maintenant. Nous sommes arrivés. Nous allons te réparer et tu pourras retourner à l'eau en un rien de temps. Il faut l'inspecter pour trouver d'où vient le problème. Tu as une idée de ce qu'il se passe, Tom ? Il y a un problème avec le moteur de Bobby. Pas étonnant que tu aies eu du mal à bouger. As-tu un moteur de rechange qui pourrait lui aller? En voici un. Voyons voir si c'est le bon type de moteur pour un bateau comme Bobby. On dirait que ce moteur est pour un plus gros bateau. Ne t'en fais pas, Bobby. Tom va trouver un moteur parfait pour toi et tu seras comme neuf. Veux-tu essayer celui-là, à gauche? Ce moteur va-t-il mieux lui aller? Parfait! Superbe travail! Pouvons-nous faire autre chose pour lui? On dirait que son ancre est un peu déformée. Comment vas-tu la réparer, Tom? Avec un marteau! Bonne idée! Ne bouge pas, Bobby. Est-ce que c'est assez droit, Tom? Tu as raison. Et maintenant? C'est parfait. Très beau travail. Quelque chose d'autre? Oh, tu penses que Bobby a besoin d'un nouveau gouvernail? Est-ce que celui-ci va lui aller? Essayons-en un autre. Que penses-tu de celui-ci? Oh non. Peut-être que celui-là va lui aller. Essayons-le. Qu'en penses-tu, Bobby? Il te va comme un gant. Qu'y a-t-il, Tom? Tu veux réparer autre chose? En effet, Bobby est un peu sale. Très bonne idée. Lavons-le.
C'est super, Tom! Bobby brille comme un sou neuf! Regarde comme il est heureux! Ramenons-le à la rivière maintenant! Au revoir, Tom! Au revoir, Bobby! À bientôt! Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Tu as un problème? Appelons Tom la dépanneuse. Il pourra t'aider. Tom, ton ami Franck est en danger. Il faut que tu ailles l'aider. Franck ne se trouve pas ici. Peut-être qu'il est là-bas. Regarde, Tom, nous avons trouvé Franck. Allons l'aider. Sinon, la ville ne pourra plus être protégée des flammes. Salut, Franck. Te voilà sauvé. Tom est arrivé. Parfait. Retournons au garage. Ok, Tom. Prêt pour réparer le camion de pompiers? C'est parti. Commençons par changer le pare-choc. Il est tout cassé. Celui-là a l'air parfait. Waouh ! Il te va comme un gant. Qu'y a-t-il ensuite, Tom ? Bien sûr, il faut changer les roues. Nous en avons besoin de 6. Du coup, quelle pile de roues allons-nous choisir, Tom? Bien sûr, celle-ci. Super, Tom. Oh, le réservoir est percé. Il faut le refermer, sinon l'eau ne pourra pas y être stockée. Waouh, Tom! Est-ce que tu vas refermer le trou avec ce soudeur?
Bravo, Tom! Tu es superbe, Franck. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Penses-tu à autre chose? Mais oui, bien sûr! Une toute nouvelle échelle! Vois-tu autre chose à réparer, Tom? Ah, tu as besoin d'un nouveau gyrophare, Franck! Tom, peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Génial, Tom! À bientôt, Franck! Et excellent travail, Tom! À la prochaine! Tom! Tom! Réveille-toi! Le téléphone sonne! Il semblerait que Matt, la voiture de police, soit en panne. Allons l'aider! Mais où peut bien se trouver Matt? Est-ce que tu le vois, Tom? Peut-être est-il du côté de l'aire de jeu? Oh non, il n'est pas là non plus. Regarde devant toi, Tom. Nous l'avons trouvé. Allons voir ce qu'il se passe. Salut, Matt. Tu n'as plus d'inquiétude à avoir. Tom est là pour t'aider. Parfait. Retournons au garage. Par quoi pourrait-on commencer, Tom? Parfait. Changeons le moteur en premier. Enlevons l'ancien moteur et replaçons-le par un nouveau. Sais-tu où l'on peut trouver un nouveau moteur, Tom? Celui-là fera parfaitement l'affaire. Qu'avons-nous d'autre à faire, Tom? Ah, exact. Changeons les roues. Pour changer les roues, il faut surélever Matt. Quelles roues iront à Matt? Celles-là, peut-être? Tu as raison. Elles sont trop grandes pour Matt. Alors celles-ci? Tu as raison, ce sont des roues de vélo. Celles-là seront parfaites. Qu'y a-t-il, Tom? Mais bien sûr! Un tout nouveau gyrophare pour Matt! Quelle bonne idée!
Waouh, Matt! Tu es comme neuf! À la prochaine, Matt! Et bravo pour ton super travail, Tom! À bientôt! Hey, abonne-toi! Tom la dépanneuse! Tom! Hey, Tom! Debout maintenant! Le téléphone sonne! Alors, que se passe-t-il? Oh, Ben, le tracteur est tombé en panne! Allons l'aider! Ben, ça va aller! Tom est en chemin! Il va te réparer en un rien de temps! Tom, où peut bien être Ben? Ben? Regarde, Ben est ici. Dépêchons-nous. Salut Ben, comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben dit que son moteur est en panne. Et en effet, il l'est. Direction le garage, Ben. C'est parti. Nous voilà au garage. Ben, Tom va s'occuper de toi maintenant. Commençons par du nettoyage. Te voilà propre comme un sous-neuf, Ben. Et c'est grâce à Tom. Alors, Tom, qu'est-ce que l'on peut faire? Ah oui, tu as raison. Il faut changer le moteur. Il a l'air vraiment en mauvais état. Est-ce que celui-là fera l'affaire? Tiens, voilà le moteur parfait pour Ben! Ben, regarde! Tom t'a trouvé un nouveau moteur! Excellent travail, Tom! Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Il y a un autre problème? Ah, le rétroviseur est cassé! Oh, on a failli ne pas le voir! Je suis sûr que ce n'est pas du tout un problème. N'est-ce pas, Tom? As-tu trouvé, Tom? Je parie que oui. Te voilà avec un nouveau rétroviseur, Ben! Génial!
Te voilà complètement réparé. À la prochaine, Ben. À très vite, Tom.